avec beaucoup plus de désolation, tu apprenais qui bisonnions sont morts, il y a mon koyaba obabengi, fils du pays. Là, je cite, Excellence, Monsieur le ministre honoraire et à transport, Chéribin Okende, mort ou et salami, de manière obalobi vraiment trop cruelle. Makila Moutou et Ganga Akaka, Yachebea, Lelo et Komako Ganga. Celui qui a vu arme n'est pas pour ma chérie Ben, il sera dévoilé, même pas aujourd'hui, même demain, même si nous ne sommes pas là, Bananabiso Baye. L'insécurité est grandissante. Nous avons interpellé par l'autorité au Babylobi, la sécurité de l'État, de bien faire leur travail. Beaucoup Fanae assassiné, ça ne sert à rien. On a la politique, on a la politique, la charrue devant le bœuf. Le Congo a perdu un homme, le Congo a perdu un intellectuel. Chéribin Okende, c'est quelqu'un qui a acquis ça dans l'opinion nationale qu'un homme, c'est un homme par rapport à la conviction politique. Il peut prendre une décision et laisser au Babengi le gouvernement pour continuer au Babengi la conviction politique. Ça ne sert à rien, comme toujours, dans la chaîne, la télévision, et dans l'ensemble de la République, ils ont sauté pour l'obake, la mort de Chéribin Okende, et outil n'a pas eu le pouvoir. Non et non, laissons la justice faire son travail, mais c'est Moïse Katumbi, avec tout le respect, vous n'êtes pas la cour, vous n'êtes pas la justice. Mission TV, le miroir du monde. Mes amis du quatrième pouvoir, la presse, les gardiens du temple de la démocratie, tu serais dans le Nouveau Testament, l'élève du sphinx, les prophètes politiques. Nazane Semoya Yambabino Lelo Awana Obabengi, état-major politique et armée des bâtisseurs du Ségéreste. J'ai vraiment un plaisir à Oyambabinoa. Na bengi bino de manière ou bengi urgente par rapport à la situation politico-sécuritaire ya mboka, état de la nation en général. D'abord, primo, avec beaucoup plus de désolation, tu apprenais qui bisonnions sont morts, il y a mon koyaba obabengi, fils du pays. Là, je cite, Excellence, Monsieur le ministre honoraire et à transport, Chéribin Okende, mort ou et salami, de manière obalobi vraiment trop cruelle, tant que gardien du temple de la démocratie. Je fais ma condoléance à la famille biologique et la famille politique qui sont ensemble pour la République. Il y a le président Moïse Katumbi Tshapo. Ma condoléance à mes collègues qui ont travaillé dans le gouvernement de Warrior Sama 1. Chéribin Okende, c'est quelqu'un. Oh, il a acquis ça dans l'opinion nationale qu'un homme, c'est un homme par rapport à la conviction politique. Il peut prendre une décision de laisser au Babengi le gouvernement pour continuer au Babengi la conviction politique. Ils sont dé avec Christian Mwando, oh, il a besoin de courage de démissionner pour la conviction politique. Pour pas rejoindre ensemble en vie à vos cavaliers na présent Moïse Katumbi. Ngana mona ngo mabete c'est la démocratie. Quelqu'un peut décider au babengi destin.
Okufa nae assassiné, ça ne sert à rien na ba politique ba ko raucha ba bengi la charrue devant le bœuf. C'est-à-dire venir acquiser notre pouvoir oyeza maboko pembe que ko acquiser notre pouvoir que eza responsable ya mort ya chéribin Okende. Le gouvernement de la République pour manifester au Babengi innocence naé n'assassinat wana a diligenté au Bablobi banquette passing même banquette y a agence y a criminologie à Libanda. Ça ne sert à rien comme toujours quand na ba chaîne ya ba télévision pe ba etandoike bande ko ensemble de la République bazo sauter po ba lobake la mort de Chérubin Okende et outi na ba bengi pouvoir na biso. Non et non, laissons la justice faire son travail. Monsieur Moïse Katumbi, avec tout le respect, vous n'êtes pas la cour, vous n'êtes pas la justice. La politique eza na ba bengi banje ebele. Et là, on a dit qu'il y a des Chérubin Okende qui ont raison et sa famille politique ensemble va faire l'élimination dans la politique. En politique, tout le coup est prévu. Même si il y a des raison, il y a des témoins gênants dans la planification, dans la machiavélique, il y a qu'on renverse le pouvoir, va faire l'élimination dans la politique. Mais ce n'est pas le bon. C'est-à-dire, à cet instant, on est obligé, nous venons de perdre un frère parce que nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques. Nous venons de perdre un frère, rien ne sert à polémiquer. Laissons à la justice faire son travail. Makila Moutou et Ganga Akaka, Yachebea Nelo et Komako Ganga, celui qui a 8 armes et n'est pas pour ma chérubin, il sera dévoilé, même pas aujourd'hui, même demain. Même si nous ne sommes pas là, bananabiso baye. Ne cherchons pas à amener au babengi, ba traumatisme na peuple. Oh y a déjà na moi ba problème et belé, y a ba kidnapping et consort. Donc laissons la justice faire son travail. Donc mes condoléances vraiment à la famille de Chérubin Okende. Le Congo a perdu un homme, le Congo a perdu un intellectuel. Deuxième loco na olobela lelo ezali désistement ya monsieur Martin Fayulu. Tolanda ibiso nyonso que monsieur Martin Fayulu alobi okende ba élection te pona oba alobi ke fiché na cadre ya position ya parti nayi. Mais à maintes reprises, Naïf Savien Nanga Martin Fayulu m'a dit Martin Fayulu, président des nuits. Naïf Bissaye que la politique des chaises vides ne paye pas à tout Nabiso. Il risque Yaroti Kalaye Moko. C'est-à-dire, il risque Yaroti Kalaye Moko. Si tu sais que dit le père à Salara politique à chaises vides, mais biso il dépense tout zwa kapé ba choc na robandana na e Fayulu alandara modor de tisserie les perte. Alors bah je suis allé pour lutter dans les institutions. Franck Idjong alandara pe modor de tisserie les perte. A kota parler du peuple abi a kekuna pour na lutter na ba institution. Biso moro pe na i dépense ba député na biso. Il y a 2011 ba mona vwa ke mutabimi bo ebele ba kenda ba kota na ba institution ba landa mon d'ordre ya présidenté. Mais si li depes e résista il peut y depes ces phénomènes les a suite na o ba lobi parlement debout. C'est pour cela to continuer le combat. Même président Félix Abima député to yebi sara de soko meki oko kota to longolo les a ka yende mutu abanga ko kende ko kota. Le reste va désobéir ça. Donc Fayulu aura beaucoup plus de difficultés
Copé sa mort d'ordre, mon net, il y a deux Ndombas, il déjà beaucoup tombé au Kélé. À ça, il y a trois chemins à eux. Il risque de rester, lui et sa femme camerounaise, dans Faden House, pour ça, il va venir partir de papa et maman. Pour ma Kambouana, nous sommes prêts pour les élections. L'IDPS va aligner cette fois-ci plus de 500 députés avec Augustin Kabuya. Nous avons aussi des regroupements où le président du parti Augustin Kabuya, le président en exercice, va présenter. Et à part ça, l'armée des bâtisseurs qui se réduisent pour une fois de plus va lancer un magazine à télévisé au candidat favori afin de vendre au Babengi la réalisation de Bissoto Salaki dans le mandat de Fatih 1 et en plus il y a aussi la marketing et propagande yaba candidat député national. Candidat favori c'est une émission Oyo na bandai ko réalisé en 2018. Il y a d'autres chaînes awa pour les bandai ko le gars dont je peux citer Top Africa. L'IDPS est en train de mettre Babengi arsenal électoral. On n'a pas le temps à perdre. Et à cet effet, toujours dans le cadre, il y a planification, il y a Obabengi, le lendemain meilleur, il y a nouvelle espérance. L'armée des bâtisseurs tisségédistes, eux, a un mouvement politico-social et qu'on organisait le dimanche Oyo. Donc le dimanche Oyo, ils ont les 16, à partir à 14h, Obabengi, un grand colloque de réflexion. Colloque de réflexion, le thème est comment réussir fatigué. Comment réussir le deuxième mandat du président. Donc, il y a le salle centre paroissial, la grande salle, l'église catholique Sainte-Trinité, Awa, dans le quartier de Bonhomme Matete. Donc, il y a saut des moutons à Réma Cravette. Colloque, il y a des invités, sous le haut patronat, il y a le secrétaire général Augustin Kabuya. Naïd Epest Obengi, David Moukeba, conseiller à président, puis conseiller à la présidente de la République. Naïnion Sacré Obengi, Madame Dorothée Madi, Ayarep, Ya Excellence Guy Luando. Puis Naïnion Sacré Obengi, Thierry Moussenepoué, Oya, CCI, Ya la mère Mende. Donc, Bakozala, devant Babengi, un auditoire, Yaba combattant, Yaba Union Sacrée. L'invitation est lancée à la jeunesse de l'IDPS en particulier et au mouvement des jeunes de l'Union Sacrée et à toute la population pour réfléchir comment ça sera et nous allons réussir au Babengi, deuxième mandat président. Donc, c'est le dimanche 16 à 14h. Point Moussou Nabengi Libino Lelo pour nous aborder les actes. J'étais prêt à recoter à parler du peuple comme candidat député pour l'obéla ou babengi dans l'oba babo la ba pauvre. Mais suite à mon état de santé, bientôt, parce que je ne peux pas dire dato na kolinga, au bazo kende kosala en opération, on va m'opérer et que c'est un avant d'assou na sepo pota et kauka. Et on va encore m'opérer dans le boko na boukana na marche motorisée ya étudiants contre Kengwado. Donc na zana double o babengi douleur na rozoa. Je ne serai pas na état wana ya santé pour ne pas peut-être na sala réchit tona kotikala na handicap. Je ne vais pas postuler pour na législative. Je ne serai pas candidat. Mais j'informe Nabatuto Balingarafis Mukoko, c'est ça le réel politique. J'informe Nabatuto Balingarafis Mukoko que mon ticket gagnant dans l'élection, il y a députation. D'abord, j'assume le choix de Fatih comme mon candidat président de la République. Mon ticket gagnant dans la députation, Ezali Obabengi, Augustin Kabuya, Mwanabute, Namouamba. Pour na batutu, pour na ba député provinciaux, il y aura au babengi ba contrat social pour na pisimko na soutenir. Mais celui que je vais soutenir, on a une obligation à soutenir,
tellement à copostiler la circonscription au Yonga Nazalaka, c'est Augustin Kabuya Mwana Bouté qui est mon ticket gagnant. Santé n'a rien permettre de dans ma vie, je ne vais jamais dans une guerre pour la reperdre en haut. Et dans une campagne électorale, le candidat est un chef des opérations. Dans l'état handicap, c'est pour cela que j'ai désisté en faveur des autres. Dieu seul sait ce qu'il va me réserver dans mon corps de Kouya. C'était ça d'abord l'objet de la conférence de presse de Nabissou et Alélo. Toujours, il y a un peu plus bas en espérance. Mais nous avons profité de cette occasion. L'insécurité est grandissante. Nous avons interpellé les autorités et les lobbies à la sûreté de l'État de bien faire leur travail. Parce que ce qui se passe, par exemple, au niveau du Katanga, je suis en train de dire, et ça bien été, j'ai dit au peuple Katanga, au peuple Katangais plutôt, Dieu nous avait placés comme Congo ensemble. Que les gens qui ont l'esprit de la division, va gagner ba âme ya peuple katangete. Chacun de nous doit être un agent de sécurité. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire tomber ce pouvoir. Namouté mamabi. Par rapport à la mort ya chéribin, dengue gouvernement lobby, conformément à l'article 16, la vie d'une personne est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. La vie est sacrée. Je profite de cette occasion pour signaler aux gens que nous avons objet à appel masqué, à la menace. Nous avons évité ce que nous avons suite dans le lobby, activisme par rapport à l'intérêt du peuple. Je demande aux autorités de l'État de bien vouloir voir comment ils peuvent assurer au Babengi ma sécurité. Dans le bien, déjà, le lot que j'ai appel, il y a ma menace. Parce que j'avais à dévoiler au Balobi les inédits, il y a ma tata en pognon, na ba détournement, na yo à sala na kachamboka Congo. Dans le appel anonyme, je demande aux autorités, bako à quoi assurer sécurité nanga. Dans le lobby, ah, on a lobby déjà, c'est-à-dire que je suis à l'insécurité. Par rapport à ma cambo, il faut la lobby qui est en course de pot à Zampiaka, qui est en course de pot à Gangaka, qui est au Azali, au candidat Eli, pour assainir une moto à Moïse Katumbi, moto à Mouzitu, moto à Matungulu, moto à Oba Bengi. Jean-Pierre Mbemba, Fayou la Saïlande moto ya batu. Yangonde, yemo wa yo la xake, azan incapacité, ya ko drainer masse na meeting no asalaki, na niveau à Saint-Thérèse. Terrain et koma pas même kachikati. Makambo ya zolo ba yva appliquer l'article 64. Soka zolo ba na peuple l'article fatang ango na mobimba nango. Article 64 le biboye. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu neti Fayulu ou groupe d'individus neti Obabengi bloc na bango ya Lubumbashi qui veut prendre le pouvoir par la force. One article 64. Article 64 toujours la suite nango elobi toute tentative de renversement du régime constitutionnel. Régime autosal en régime à coup d'état et ça constitutionnel parce que tout ça nous va venir passation de pouvoir civilisé avec le président honoraire Joseph Kabila. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel et pas bateau basol n'a qu'au monter bas Kumba pour ça la planification à Kindoki est une infraction. N'denge mibe ko yambo ke lobby. Et peut être puni conformément à la loi. C'est-à-dire, toute tentative, nous devons faire la loi interpréter l'article 64, il y a qu'on renverse le pouvoir.
biso IDPS tant que parti présidentiel tozo se préparer pour na kosalo babengi protection ya pouvoir tokobare bango route mais ba ebake après balobi coup d'état na bango manqué oh balobi insurrection na bango ils seront punis mutaya ko loba biso te c'est la dictature ils seront punis conformément à la loi. Allez lire l'article 64 Tinasuka. Bokata ba chapitre la Bible était pour les constitution mboka. Article 63 le Bible. Tout Congolais a le droit de défendre le pays et son intégrité territoriale. Tout Congolais a le droit de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace. Ne te fais pas la là. Et face à une agression, ne te kagama zosala. Donc, il faut que nous lèvons l'article Constitution et la Bible. Il faut que nous lèvons la Genèse et l'Apocalypse. Il faut que nous la Genèse et l'Apocalypse. Il faut que le livre prophétique au la il faut que nous livre la Genèse. Donc, quand on a l'article, il faut que nous lèvons renverser le pouvoir. Quand on a l'article, il faut que nous lèvons. C'était ça mon allocution à Lelo par rapport à la situation du moment, situation politique. Je dis je vous remercie. S'il y a des questions, je réponds. Ma mission TV, le miroir du monde.